Cassis FM. Cette année, la ville de Dijon nous a fait le privilège de nous accorder un week-end en plus. Du fait que l'année passée, bon, on n'a pas pu faire cette fête hein, avec le Covid. On est un peu plus de 100 attractions tout confondues, du gros manège au petit manège, à la pêche au canard, au tir. C'est vrai que cette année, on est une attraction, le Dominator, qui n'est jamais venu à Dijon. C'est un bras avec des nacelles qui tournent à l'extrémité, qui tournent sur 360 degrés. Je pense que c'est une attraction qui va plaire aux amateurs de fortes sensations.